Bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Deux déclarations fortes en Israël. Le ministre de la Défense a ordonné tout à l'heure un siège complet de la bande de Gaza, contrôlé par le Hamas. Et le Premier ministre israélien annonce que ce que le Hamas va vivre sera difficile et terrible. On fera le point avec Ariane Ménage, et c'est en direct, bien sûr, de Tel Aviv. Chez nous, depuis un peu moins d'une heure, une manifestation de soutien au peuple israélien se tient devant l'ambassade d'Israël à Bruxelles. On retrouvera là en direct Corentin Laurent, qui bien sûr est sur place. Des enfants, des femmes, des hommes sont donc détenus dans la bande de Gaza par des terroristes du Hamas. Pour leur famille en Israël, c'est l'attente insoutenable. Votre 19h30, François Desbrigades. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ce soir, une nouvelle donne dans la guerre entre Israël et le Hamas. Au moins 800 personnes donc sont décédées depuis le début de l'offensive du Hamas en Israël et plus de 500 du côté palestinien. Ariane Ménage, vous êtes en direct avec nous sur place à Tel Aviv. Dans l'après-midi, vous étiez à Sderot, à 2 km de la frontière avec Gaza, la ville israélienne, donc la plus proche de la bande de Gaza. Est-ce que la tension est toujours extrême ? Oui, une tension toujours extrême, un climat de guerre palpable dans cette ville qui est l'une des plus touchées depuis 3 jours. Merci Ariane. Chez nous, depuis un peu moins d'une heure, une manifestation de soutien au peuple israélien se tient devant l'ambassade d'Israël à Bruxelles. Corentin Laurent, vous êtes sur place. On peut parler ce soir de colère, mais aussi de tristesse. Oui, tout à fait. Tristesse, colère et aussi inquiétude. Ce sont les trois émotions qui nous reviennent le plus souvent ici. Le rassemblement vient de se terminer il y a quelques minutes, mais ils étaient... Info, à bientôt. Voilà, fin de journal que vous suivez sur TV5 Monde. Merci, à bientôt. Dis donc, on va au cinéma.